Bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Fire. J'espère que vous allez bien les amis. Nous continuons l'aventure sur Potion Craft. Bon, où en étions-nous? On avait commencé à avoir un joli stock, surtout sur les potions. On avait... que ça me revienne. Oui, nous avions débloqué le sel du néant. Wow. Celle du néant et également œuvre au blanc. Celle du néant a l'air plus faisable. Trois morts de force, un ralentissement, deux pots de pierre. Ok, bon, c'était arrêté au début d'une nouvelle journée. Ouh! C'était du charbon tempête, ça? Ou c'était de la peine à flore? Ah, c'était peut-être un fruit de glace. C'était un fruit de glace, très bien. Vie, ok, bon, des ingrédients plutôt lambda, hein, hormis les fruits de glace. Ah putain, Galad Zivi, la dernière fois qu'il était venu. Ah non, il nous avait acheté quelque chose entre temps, je dis ça. Mais la première fois, on l'a vu, il s'est cassé, littéralement. Et il me faudra une bombe ou quelque chose de combustible à la rigueur. Ah, les bombes pour péter les nids, quelle horreur. Explosion. J'ai un niveau 2. Que j'avais probablement recyclé. Est-ce que je peux sortir une niveau 3 sur fort de lumière? Je peux sortir un niveau 3. Vous n'avez pas appris à préparer vos potions? Je connais quelques recettes, évidemment, mais dans le cas présent, j'aime mieux faire appel à un professionnel. C'est une urgence, sans compter que je préfère passer mon temps libre en compagnie de damoiselles ou devant des tables de jeu. Une petite partie de Gwent. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vu le nombre de recettes et le temps passé à crafter dans Witcher, je sais pas si c'est vraiment vrai, ça. Allez, donne-nous des sous. Parler d'une potion qui, enfin, comment dire, facilite les choses dans la chambre à coucher. Libido. Libido. J'avais quand même réussi. On avait vachement avancé, en fait, dans la dernière session. Ah, mais zut, j'en avais déjà une de... une forte. 485. Oh, nice. Oh. Oh, 700. Let's go. Permettra de faire plus facilement les poches des autres. Potion de dextérité. Ouais, c'était la petite patoune. Dextérité. Celle-là, elle est plus simple. Oups. Oh. Ah bon, j'ai pas réussi du tout celle-là, vraiment. Wow. Depuis quand cueillez-vous des champignons? Ça fait presque 50 ans. J'ai jamais donné mes bocaux à un champignon. Commencé à me promener dans la forêt quand j'étais môme. C'est devenu mon chez-moi. Maintenant, j'ai une cabane dans les bois. Je viens en ville juste pour vendre des champignons que je ramasse. Alors, ça en prend tout. Ça en prend tout. Ça en prend tout. Oh mon dieu, mais tout est en promo presque. Et il y a des nouveaux champis. Une ombrelle brumeuse. On peut servir de petit parapluie quand il pleut. Même si vous aurez probablement le ridicule. Qu'est-ce que c'est que ce chemin trop chelou? Ça part à gauche ou à droite en premier? La chanterelle obscure.
Je vais en prendre un peu. Oui, je préfère me foirer sur une potion plutôt que sur un achat comme ça. Très clairement. Pour voler des biens. Agile. Quoi, tu veux une potion de dextérité ou une potion de célérité? Une potion faible m'irait mieux. Tu veux une potion faible de célérité ou de dextérité? Potion faible de dextérité? Ouais. Très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai en grande quantité? Fatralg, est-ce que... Ah, ça me foutait pas dans la sauce de faire ça, rassurez-moi. Ça va. Juste besoin d'une potion faible, donc il n'y a même pas besoin de centrer ou quoi que ce soit. Juste que je m'approche légèrement. Allez, potion faible. C'est excellent, cette potion est parfaite. Ah bon, ça va. Je voudrais passer à tabac un anti. Je sais pas ce que c'est un anti. Le problème, c'est qu'il est massif. Avez-vous une potion de force ou quelque chose du genre? Un anti! Avec un N. Un anti, ça mérite une petite recherche Google, parce que là j'avoue que ça me parle pas trop. Nanti, définition. Personne à qui il ne manque rien. Un Richard, souvent péjoratif. D'accord. Eh ben ça fera un super mot au Scrabble. tout mon bois de chauffage a pris l'eau. Je ne vois pas comment lancer un feu. Potion d'explosion ? Forte de feu, mais j'ai plus les ingrédients. Ah! Voilà qui est fâcheux. J'ai très peu d'ingrédients pour aller sur la gauche. Eh ben, bah salut. Désolé. Sorry! Souris, mais là, ouais, j'avoue que je l'ai pas vu venir. Tout, 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 tout. Je crois que le sort d'instrument à flûte qui est joué, c'était le même instrument qui était joué pendant une musique de... Alors c'est un anneau, c'est sûr. Est-ce que c'est le 1701, le 1404 ou le 1503? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'y a fait fortement penser. Quels objectifs? Crisselle du néant, potion de lévitation, ajouter une amélioration basique de machine alchimique. Ouais, alors ça va dépendre des marchands. Explosion, food, gel, poison. Waouh! Je pense que j'ai pas encore l'option pour me permettre ce genre de folie.
croix invisibilité. Attends, invisibilité, c'était loin, invisibilité sur le chemin. J'avais réussi à en faire une. Et deux célérités. Oh, mais c'est où c'est? Ah, mais non, c'est juste là, célérité. Ah, en vrai, ça peut se faire. C'est 2 et 3. 2 d'abord et ensuite 3. C'est ça. 2 et ensuite 3. Non, bah ça peut se faire. Attends, bah, on va zoomer parce que je vois que dalle. Ok. Puis une aquafleur, ça devrait... Oh non. Un aquafleur, ça ne fait pas aller dessus. Merde, sérieusement. Un fruit de glace. Ah, après, j'ai besoin... Merde. J'ai besoin que d'un niveau 2. Faut quand même que j'aille dessus. Pas en perfect, mais faut que je le frôle bien, bien, bien. Et ensuite, invisibilité parfaite. Là, bon, ça va, c'est pas surabusé non plus comme potion. Ça va, le jeu est assez cool avec nous. J'ai trop mixé. Ah! Là, ça me convient. Ensuite, il faut monter. Le perfect va être chiant. Ouais, ah, le perfect va me casser la boule gentiment. Comme il faut. Mais je pense que si je le fais pas, je vais m'en vouloir. Comment me débrouiller? Est-ce que là faudrait que je fasse un très léger gauche? Problème. Doucement, Fire, doucement. Ça, ça me paraît pas trop mal. Let's go. Explosion de chaleur.
De explosion ou de feu? De explosion. Moi, il me semble avoir lu explosion. C'est deux explosions, d'accord. Deux explosions. Le problème, c'est que les ingrédients pour aller à gauche, c'est pas quelque chose que j'avais en grande quantité. Ouais, non, c'est même carrément la dèche. Alors, on va monter. Puis descendre. Faire haut gauche. Là, j'ai peur que ça frôle trop. Ça saute, j'en avais plus que deux de ces trucs-là. Là, je sais que je me ferai pas ken, stupidement. De toute façon, c'est 2-2. Attends, on est d'accord, c'est 2-2, hein, que je me fasse pas couiller. Ouais, c'est 2-2, donc pas besoin de tryhard. Il va quand même falloir un peu que je me remette correctement. Au pire, je jouerai avec l'eau. Parfait. En plus, c'est cool le tourbillon. On va me rapprocher de l'explosion. Descendre en bas à gauche, ça c'est faisable. Hein. Champi gobelin. Alors, la potion avec l'eau, ça me ferait amener ici. Donc, j'ai besoin de faire qu'un niveau 2 en plus. C'est royal. Potion d'explosion de lumière. Tout en bas. Explosion de lumière. Deux forces, deux pots de pierre. Ah. Deux forces, deux pots de pierre. Ah, ralentissement. Deux forces, deux pots de pierre. Alors, force, pots de pierre, ralentissement. Ok, il nous faut que je fasse 2, 2, 1. 2, 2, 1. Très bien. J'ai plus de champi gobelin et des trucs trop bien comme ça. Ah. Ah si, c'était champi bou, pardon. Excusez-moi le nom. Prenons la droite. Ok, ensuite allons à gauche. Gauche, c'est problématique. Cloche-feu. De toute façon, je dois faire deux, pas besoin de tryhard. Quoique, unless.
Descendre. Romarin du druide. Je vais plutôt péter une Terrari. Ça me fera prendre la double XP en plus. Avec la base de l'eau, ça va nous permettre d'y aller tranquillement. De toute façon, c'est une force 1, donc 1, pas besoin de y aller tranquillou. Parfait, terminé la potion. Et c'est droite milieu. Eh bien, bah celle-là, c'est chiadé, on va attendre un peu. Potion de mort, je l'ai pas encore trouvé. De toute façon, on voit qu'il y a des potions qui n'ont pas le bouchon dans le même sens, donc j'imagine que ça doit venir plus tard. Mais mort, ça me dit rien. Ok, eh bien on peut terminer la journée ici. Fleur cloche-feu, fait vie. Non, rien de. On a eu un peu d'hémoglépine aussi, j'ai vu. Ah, de quel genre de potion avez-vous besoin ? Une potion forte, pas possible de passer la roche mère, pas possible de creuser plus. Potion de force, c'est juste ça que tu veux. Parfait. Oh, tout est en non, salut, tout est en surcoût. Bonjour, j'ai besoin de votre aide. Le tavernier du coin m'a demandé d'inventer une bière spéciale pour les clients particulièrement shouters, qui boivent trop et ont l'alcool mauvais. Je souhaiterais pouvoir leur payer une tournée de boissons sédatives quelconques. Somnifères ? On ne devrait peut-être pas laisser entrer des poivrons dans la taverne ? Et puis quoi, fermer boutique ? Ce sont eux qui boivent de l'alcool et rapportent de l'argent. Et puis ça fait partie du charme des tavernes. Du coup, je préfère les empoisonner. Merde! Oh, putain, j'ai validé en plus, quel imbécile. Bon, c'est pas grave, ça fait plus 30 quand même. J'ai besoin de quelque chose pour empoisonner les bestiaux de mon voisin. Je cherche une potion avec des effets additionnels. Pourtant, elle veut du poison. Bah non, salut. Ça fait... De toute façon, on a une réputation négative, donc virer quelqu'un qui veut empoisonner, c'est bien, ça nous fait un peu remonter. Je vais mon cheval une potion pour faire courir plus vite avant de voyager. Je préfère les potions simples. Je préfère qu'il n'y ait pas plus de 3 types d'ingrédients dans la potion. Célérité. Ah bah, j'avais utilisé que ça. Ah merde, j'en avais déjà une d'avance. Ah merde, bon, tant pis. Je suis un peu concentré sur celui-là, hein, je vais être honnête. Bonjour les chimistes, vous voulez reconstituer votre réserve d'armes? Tenez, j'ai un service à vous demander, j'aurais bien besoin d'une de vos potions. Certains ingrédients sont extrêmement épineux, difficile de les cueillir à main nue. De souvent grimper à travers des buissons épineux pour trouver une nouvelle plante. N'auriez pas une potion qui me protégera des épines et des ronces? Ah si, une petite peau de pierre. Hein. C'est chelou, il me semblait lui en avoir déjà fait une à elle. Oh, la dorépine, oh, y en a...
en a qu'une par contre. Romain, du druide, j'achète, c'est en sans promo. Fruit de glace, sans promo, j'achète aussi. Pénaflore, ouais, c'est bien pour monter en promo. Qu'est-ce que c'est que ce truc de ouf? Racine de lave, une carotte tordue résistante à la chaleur. On en trouve près des volcans. Scarabée des songes. Il paraît que cette variété unique de betterave sert à fabriquer du sucre. Un peu particulier. Feuille de vie, j'en ai beaucoup. L'hémoglépine, j'en ai une dizaine. Je vais reprendre une dizaine là. Merde, oh là là. J'ai merdé là. Point de talent. Article chimique. Petite expérience, ça m'intéresse pas spécialement. Là j'ai vraiment chié dans l'école avec elle par contre. Je me suis vraiment fait enfler. Bien le bonjour, je vais vous dire un secret. Je connais un endroit dans la rivière juste à côté où on trouve des poissons les plus délicieux qu'on puisse imaginer. Le problème, c'est qu'ils sont terriblement nerveux. Dès qu'ils sentent venir un bateau, ils détalent. Difficile de les approcher. Sauf par les airs. Si seulement il y avait une potion pour faire flotter les pêcheurs au-dessus de l'eau. Comment vous aviez fait pour en attraper un? Avant, j'avais une canne à pêche vachement longue. Je pouvais la lancer vachement loin. Puis une fois, elle s'est enroulée sur une branche d'arbre et elle m'a échappé des mains. J'en veux encore. Je m'en veux encore. Alors, la potion de lévitation... J'ai jamais fait la potion d'évitation parce que ça fait partie de mes objectifs. Oh, alors va falloir explorer. Oh là là. Oh là là. Il y a l'air d'avoir une potion au-dessus là. J'ai jamais pris ce tourbillon, j'ai aucune idée d'où il nous amène. Il y a une potion au-dessus là. Alors montons les amis. J'ai foutrement aucune idée si c'est là-haut. De toute façon, faut y aller. Faudra y aller un moment donné ou un autre de toute façon. Parce qu'il y a, ouais, il y a la ligne, on voit clairement la ligne. Quelque chose qui nous fait aller en haut à gauche, les moglépines, c'est pas mal. Alors, en haut à droite. Pénaflore, c'est pas mal. La chanterelle obscure, c'est pas mal aussi, mais il faudrait que je monte légèrement. Donc on va faire une éoflore. C'est une potion avec le bouchon vers le haut. Donc ça déjà, ça me plaît beaucoup. Et ouais, allez sur la droite. Je vais faire fratrag et je vais mettre de l'eau parce que je me suis trop rapproché. Ça m'envoie directement dans les squelettes.
Ok. Oh, il manque l'épine, c'est pas mal. Non. Plutôt top tier. Hein. Ok. Menton légèrement. Comme ça, ça devrait le faire. En plus, je choperai le bonus. Enfin, du moins, je crois. Ouais. Oh, ça sent la potion niveau 3 là. Alors, attention, pas de freeze, pas de blague, le jeu, pas de blague. Hein. Yes. Oh yes, go, c'est lévitation. Alors, lévitation. C'est chaud de négocier. Hein. Pour un voleur, quel type d'individu ne représente aucune difficulté? Celui qui dort. Du coup, j'ai besoin d'avoir de quoi endormir des gens. Potion qui va pas par carte et chemin. Si elle ne contient pas plus de deux types d'ingrédients, je paierai plus cher. Somnifère pour deux ingrédients. Deux types d'ingrédients ou deux ingrédients? Deux types d'ingrédients. Ah bah, on a ce qu'il vous faut, madame. C'est déjà la potion que on fait. Cette potion est parfaite. Et bien en paix, ma foi. C'était quoi ce freeze? Vous l'avez vu, hein? Vous l'avez vu ce freeze? Là c'est juste moi qui ai un gros blanc. Oh putain. J'ai réduit. Remarquez que je ne voyais pas bien ces derniers temps. J'ai peur de devenir complètement aveugle. Y a-t-il une potion qui pourrait m'aider? Potion de vision. Oh là là! C'est trop vénère. Oh là là. Non, dégage. tu m'as frustré, dégage. Une potion de célérité. C'est tellement vénère des fois. Je veux que ma maison brille dans le noir. Potion de lumière. Mauvaise nouvelle, j'ai pas de quoi la faire briller. Potion de lumière. C'est full gauche. Non merci, j'essaie de gérer... J'essaie de gérer mon petit sel du néant, là, gars. Alors, ça se fait pas comme ça. La potion de mort. Logiquement, c'est les premières recettes, donc on devrait avoir la potion. Le problème, c'est que... Ici, il y a l'air d'avoir quelque chose, parce qu'il y a une ligne. Je vais la tenter. Après, pour descendre... J'ai toujours la pyrute tellurique. Je vais tenter. De toute façon, faut découvrir. Après tout, nous sommes des pionniers de l'alchimie. Ok, on va faire un léger droite ensuite. Ah, de préférence en bas à gauche, si on a la possibilité. Genre ça. Non ! Ah putain !
Je voulais le mixer. Ah là là, ah le misclick. Ah le misclick. Ah la douille. Je fais beaucoup de boulettes aujourd'hui, hein, c'est chaud. Donc la pyrute tellurique qui va nous permettre de nous téléporter, mais faut encore un petit peu descendre. Ah, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien pour découvrir les potions. Eh bien, dans ce cas, prenons les gros points d'expérience. Descente à gauche, je suis assez limité, hein. Résistance à la foudre. Ah. Résistance à la foudre. Je suis bien tenté de prendre le tourbillon qui est sur ma gauche. Après, il y a beaucoup d'expérience. Je vais prendre le tourbilol. Sur une potion d'exploration, c'est le moment de tourbillonner. Ça nous ramène là, ok. Et bien, même chose, même argument. Ok. Ça me ramènerait là-bas. Okay. Ok.
Oh. Oh. Ok, ça c'est génial. Est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on continue encore? Déjà on a débloqué la vision. Il n'y a pas de tourbillon. À gauche, faut que je fasse attention avec le cheveu, mais... Je vais quand même tryhard. J'aimerais tester le dernier. Un dernier tourbillon. Donc, c'est comment le nom de celle-là déjà? Ah, la Pénaflore, franchement, là, ça top tier. Oh, t'es sérieux? Si je pouvais découvrir celle-là au passage, ce serait relativement fascinant. J'aurai les bonnes bases. Non, en vrai, on va la terminer ici, cette potion. Je trouve que c'est un bon deal. C'est un très très bon deal. De toute façon, le jeu ne nous laisse pas aller nous coucher tant qu'on n'a pas fait ça. Bon, bah dommage, hein. C'est pas ce que je cherchais. Une potion de mort, vraiment. Hein. Je sais même pas dans quelle direction ça pourrait aller. Un nouveau jour se lève. Enfin de la Terrarie. Ingrédient de base que j'avais bu. Non, et pas un somnifère. Est-ce que vous avez un sédatif? Ah là là, mais décidément! Ils sont pas super chers en plus, ça. C'est quoi? Je vais la faire en moyen parce que... Clairement, le difficile, ça dépend des bars. Je veux qu'une personne tombe amoureuse de moi. Qu'elle n'appartienne qu'à moi. Petite potion de charme. Ah là là, je fais de la merde. Oh, 28. J'ai déconné. J'ai voulu des choses à la faveur de la nuit. Seulement, c'est difficile quand il n'y a pas de lumière. Vous avez une potion de vision nocturne. Vision magique? Ok. Ça s'appelle ça comme ça. On a réussi sans souci. Certains champignons préfèrent pousser dans les grottes. Je connais quelques-unes. Il fait tellement noir qu'on y voit goutte. Porter une torche pour cuire des champignons, c'est une vraie galère. On a toujours les mains pleines. Si vous pouviez concocter une potion qui m'aide à cuire les champignons dans le noir, je pourrais vous apporter d'autres sortes. Une potion de lumière? Point d'interrogation. Je sais plus ce qu'il faut. Non. Attends, ils vendent des ingrédients de toute façon. Ah, oui! Truc de colère, let's go. Ok, ça commence mal. Hein. Ça commence hyper mal. Putain, mais qu'est-ce que tu fais, Fire? Ah, mais un échec, c'est une catastrophe en fait.
Ouais, bah non. Salut. Oui, je refuse de négocier. Plus 70. Oui, casse-toi, vas-y, tu m'as saoulé. Ouais, c'est ça, tu m'as saoulé, vas-y, dégage. Il est trop. C'est. Enfin, je repasse en moyenne. Potion pour améliorer ma libido. Laisser passer sans problème. Potion qui me permettra de fuir ou de semer les gardes. Alors. C'était chaud. Hein. Ça me rend agile. Hein. Tu as une dextérité 3 en gros. Poison. Il y a plus de 3 types d'ingrédients. C'est exactement ce que nous vendons dessus. Oh, putain. Comment j'ai réussi à taper dans le milieu? Et encore, j'ai baissé. Nouveau niveau de popularité, 8. Du coup, j'ai pas eu de nouveaux ingrédients parce que j'ai foiré ma négoce. De toute façon, il avait pas grand-chose comme type. Permettant de devenir plus petit, Yagi. Ça plus facile que le moyen, c'est étrange. On a besoin de champignons spéciaux pour un rituel très particulier. En général, ils apparaissent en cette saison, mais aucun n'a encore poussé. Il me les faut absolument. J'espérais pouvoir accélérer leur croissance. Pourquoi ne pas simplement lancer des sorts sur les champignons? Je connais aucun sort de ce genre. Je suis pas une vieille sorcière des bois. Ma spécialité est sensiblement différente. Ah bon. Sweat. Ça commence bien. Ok, c'est génial. Quelle catastrophe. Potion de lévitation. Potion d'acide. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'acide. Bah, je peux pas te le servir. Eh bah dégage. Alors, est-ce que tu comptes encore m'enculer ou pas? Oh, un champimousse. Chapeau de ce champignon ressemble beaucoup à de la mousse, d'où son nom. Cela le rend particulièrement difficile à dénicher en forêt. Ouais, ça c'est une astuce pour vendre des champignons plus cher, à dire que c'est difficile à choper. Hein. Je la connais l'astuce. ok, t'as intérêt d'être chaud. Oh non, je vais le faire en moyen. Refoiré, non merci. Oui, une potion de lumière. Ah bah voilà, du coup, j'ai le champignon qui me manquait. Et du coup, je peux te la donner, frère. Allez, merci.
Ciao, à la prochaine. Non mais stop la réputation en fait, faut que je dégage des gens là. Non mais stop les gens avec mauvaise réputation. On pourrait crabouiller certains gars. Allez-vous-en, ma réputation est trop mauvaise. Ils ont prévu de voler quelqu'un. Mais tirez-vous, bon sang. Ouais, c'est que des mauvais là, c'est pas très bon signe. On m'oriente tout sur des poisons. Ah, la potion de mort. Potion de mort. En haut, à gauche, je pense pas que ce soit la mort, mais il doit avoir des choses. Alors, on a refait un stock. Ça devrait le faire. Famous last words. Plus l'hémoglobine. Utiliser le tourbillon pour gagner un petit peu de chemin, un petit peu de distance. Il doit bien avoir une potion en haut à gauche là, en vrai. J'ai un pénaflore qui me permet de bien monter. Ça sera pénaflore du coup. Oh non, t'es sérieux, c'est juste un énorme mur. Ça. J'ai peur qu'il n'y ait pas de potion et seulement un tourbillon qui m'amène vraiment sur une zone très très vénère. J'aimerais prendre le Pex avant de faire le fou dans le tourbillon. Histoire de dire je suis pas venu pour rien. Sérieux. Ok. Ce tourbillon, je sais pas où est-ce qu'il m'amène. Découvrons-le ensemble. Bon, on va faire une potion de furie pour rattraper celle-là parce que c'est vrai que
C'est plutôt une catastrophe. Ici, je vois, il y a plein de tourbillons. Sinon, je fais la potion fourre-tout. Mais tant que j'ai pas la potion de mort, la potion fourre-tout. C'est dans les pierres. La citrine, ça permet d'aller sur la gauche. Parce que là, c'est une base différente. Merde, j'ai loupé un. Une potion faisable sur la droite. Putain, ça me paraît fou qu'il y ait si peu de choses à débloquer sur la droite. Là, il y a un mur entier qui nous kéblo. C'est plutôt handicapant. Ah merde, j'avais espoir de la faire. Clairement, c'est pas possible. Ok, ok. Bon, je pense que le mieux, c'est d'aller se coucher. Et malheureusement, c'est la fin de cette VOD pour nos amis sur YouTube. J'espère que ce petit épisode sur PotionCraft vous aura plu. Et puis pour tous ceux qui sont en stream, ne vous inquiétez pas, on continue. C'est la chaîne de Fer, je vous fais de gros bisous et je vous dis naturellement, ciao à la prochaine!